On arrive devant le camping Pascal Oudet. Pascal Oudet, alors camping Marius, Pascal Oudet est après. Et effectivement, c'est le camping Marius. Et après le camping Pascal Oudet. Et là, j'ai confondu. Pourtant j'ai collé depuis tout petit. La mémoire qui flanche. Très beau camping avec des mobilhomes. Avant, il y avait beaucoup de tentes, des caravanes. Et peu à peu, il change. Il met des mobilhomes. Il commence à faire très chaud. Heureusement que j'ai la casquette et les lunettes. Oh là là. Bravo. Merci. Merci. Ah, je crois que c'est le camping La Source à gauche. Voilà la plage de La Source. On voit le parking, la plage au fond. Merci. Oh, une montée, je vais marcher, je vais pas user mes mollets. Bravo, toujours les sourires là, les dames, les messieurs aussi. Toujours le sourire. C'est beau ça! Et le corsaire, il est là! Il est là le corsaire, ouais. Avec le sabre! Bon, ça monte beaucoup sur cette côte! Allez, madame! Bravo! Allez, monsieur! Allez, madame! Bravo, bravo, super. Je marche en arrière. Ça a des contrats, les mollets. De rien. Ah, c'est mortel de courir sur cette pente. Vous explosez les mollets, ça sert à rien. Vaut mieux marcher et après rattraper sur le plat et la descendre. Allez. Mais les dames, souvent, elles courent du début à la fin. Elles sont régulières. Montée, descente, plat, elles courent tout le temps. Nous, les hommes, on est des feignants. Hein. Bon, certains hommes, certains hommes, ils courent, mais... Alors moi, je marche à toutes les montées. Je cours à l'arrêt, moi. Je cours dans la tête, pas dans les jambes. Je connais par cœur la course, alors je sais où sont les passages très difficiles. Regardez le dénivelé. Ouais, bravo, monsieur. Et ça continue à monter là. Le plat il sera au niveau des parkings. Donc c'est les parkings de Sainte-Croix.
commence à bien transpirer. Il fait très chaud, il commence à faire très chaud. C'est super bien aménagé pour les piétons. Il y a beaucoup de sentiers de randonnée tout au bord de la mer. Malheureusement, il y a eu un gros feu sur Martigues, ça a tout brûlé là. Jusqu'au Tamaris. Et c'est parti de Port-de-Bouc, puis Martigues. Les cendres ont sauté le canal dans un nuage, un gros nuage. Il y avait plein de cendres incandescentes. Et ça a pris après sur Jonquière, quartier sud de Martigues. Et c'est parti jusqu'à la Couronne, le Tamaris. Et c'est la mer qui l'a arrêté. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Allez, c'est reparti. Le plat. Ouais. Le Tamaris. Port de Tamaris. Alors là, c'est le parking de Sainte-Croix. Bonjour. Oui, oui. À Martigues, il y a des studios de cinéma, donc avec les écrans verts, tout ça, plein de moyens techniques. Donc les coproductions américaines, un peu de monde entier, françaises, viennent tourner à Martigues. À 40, il y a un grand studio de cinéma. Alors au fond, là-bas, c'est la place de Sainte-Croix avec une magnifique chapelle, on ne la voit pas. C'est complètement au fond. Là, c'est fermé jusqu'à 11h, c'est ça ? Merci. Bravo, 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 bravo. Merci. Merci. Ah, super. Voilà, ça descend jusqu'au port de Tamaris. Ça, c'est le centre aéré pour les enfants. Centre aéré de la ville de Martigues. Mon club, pendant des années, on a organisé une succulente paella dans ce cadre idyllique. Bon, 14 km, il faut gérer l'effort quand même. Hein.